Le service national universel, c'est une proposition qui est faite à tous les jeunes de 15 à 17 ans qui ont un souhait d'engagement, quel qu'il soit d'ailleurs, de pouvoir vivre cet engagement ou de pouvoir en tout cas l'expérimenter. C'est principalement le séjour de cohésion, le fameux séjour de 12 jours, pendant lesquels une centaine de jeunes vivent en communauté, vivent ensemble dans des maisonnées, vivent leur engagement, apprennent à se découvrir aussi les uns les autres autour des valeurs de cohésion et de respect. Donc je vais vous lire le rapport à propos de notre prise de parole du jour. L'objet de cette rencontre est l'adoption d'une motion pour le droit de vote à 16 ans. En Écosse, ils ont instauré le droit de vote à 16 ans assez récemment, il y a 7 ans, pour le référendum sur l'indépendance notamment. Et là, en l'occurrence, ça a été un véritable succès. C'est-à-dire qu'il y a eu une participation, je crois, de 90% des jeunes de 16 à 18 ans. On ne pourrait pas trop savoir si c'est nous qui avons vraiment voté la bonne personne ou alors si on a été influencé par quelqu'un. Mais je pense que si à 16 ans on a le droit de vote, je pense qu'il y aura aussi plus de jeunes qui s'intéresseraient à la politique. Un débat comme ça, on en fait plusieurs, par exemple dans les chambres le soir. On a fait des débats avec le tuteur et toute la maisonnée. Et on avait beaucoup d'avis contre, beaucoup d'avis pour. Et on se dit, avec des débats comme ça, c'est pas mal, quoi. On sait, après, on voit un point de vue. Il ne faut pas rester près du danger. Ouais. Ça marche ? Allez, on essaye. Chacune votre tour. Okay. Non, laisse le bras en bas. Laisse le bras en bas. Elle va venir chercher la saisie. Saisie. Voilà. Dégagement. Dégagement. D'accord. L'autre main en appui. Voilà. Et là, tu t'en bats. Et là, tu t'en bats. Vas-y, il y a cette jambe-là. Non, reste là. Voilà. Alors j'ai décidé de faire le SNU parce que ça, tout d'abord, c'était une expérience et j'ai voulu la tester. J'ai fait le SNU pour découvrir beaucoup de monde et pour la cohésion d'équipe aussi. Et pour découvrir aussi quelques activités qu'on ne fait pas chez nous ou même au lycée. J'ai décidé de faire le SNU pour mon parcours à venir parce que je souhaiterais devenir garde républicain. Moi, pour rencontrer des personnes et puis voir le côté militaire un peu. J'ai voulu faire le SNU parce que j'ai des amis qui l'ont fait, qui m'ont conseillé et qui sont revenus super heureux. Et j'ai aussi fait un rallye citoyen où on m'a présenté le SNU. Ça m'a plu. Enfin, le concept m'a plu. Par le massage que vous avez appris, son cœur, en fait, il va arrêter de battre. Okay ? Pour le faire repartir par la suite, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Même si on pousse de l'adré, même si on fait des chocs avec le défibrillateur, encore les chocs, c'est pas automatique, ça va être beaucoup, beaucoup plus long. Alors que vous, qui êtes formé, justement, si dès que vous croisez, on ne le croise pas tous les jours dans la rue, fort heureusement, mais si jamais un jour vous êtes confronté à ça, n'hésitez pas à faire tout de suite un massage cardiaque parce que c'est ce qui permettra qu'à l'arrivée du médecin sur les lieux, on puisse faire ce qu'il faut pour le récupérer. Et surtout, en fait, le cœur, donc, qui est la pompe qui envoie le sang à tous les organes, va permettre quelque chose, en fait, c'est de continuer à alimenter le cerveau. Alors, le séjour de cohésion, ça n'est ni le service national, ni une colonie de vacances, en fait. Ça n'est, voilà, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu des deux, je dirais. C'est le meilleur des deux, en fait. Le meilleur du service national, au sens où ce qui fait communauté, c'est les valeurs de la République, le drapeau, l'uniforme, qui permet de mettre chacun des jeunes à égalité les uns des autres. Donc, ces valeurs-là, qui sont vraiment très fortes, très importantes dans ce séjour de cohésion. Et puis c'est le meilleur de la colonie de vacances, entre guillemets, parce que c'est le fait de vivre ensemble. Et donc, dans ce vivre ensemble, d'apprendre à se respecter, aussi de construire de nouvelles amitiés et d'avoir des activités qu'on n'a pas en temps ordinaire. Le but, c'est d'élargir le plus possible les activités, notamment autour de la ville de Rochefort, et qui est assez riche de ce point de vue-là, pour enrichir leur culture et puis leur apprendre à vivre en communauté et à apporter de la rigueur à toutes leurs actions du quotidien. J'en ai marre de ce harcèlement, des humiliations régulières. Je vous promets, je voulais pas en arriver là, mais il faut que ça s'arrête. Il m'a filmé, il a posté ça sur les réseaux sociaux. Oui. Julien est parti de la maison ce matin vers 7h30. Cela ne m'a pas choqué,
car il est parti à la même heure que tous les jours. C'est son parcours robot. Julien. Là, on retourne au point de rallye. T'entends-tu en effet ? Allez, les gars, on y va. Donc, vous allez vous rendre sur ce point-là. Alors ça, qui est inscrit sur le PV, il faut le retenir, mémorisez-le. Comme vous travaillez en équipe, mémorisez tout ce que vous avez retenu sur le procès-verbal, puisque ça va vous orienter sur l'enquête. En revanche, sur chaque point, il y aura des choses peut-être à prélever. Là-bas, il y a les trucs des cours. Attends, du coup, c'est plus que les livres, non ? Ouais, la CDI, c'est là où tu es. Ah, il y a la maison des lycéens. C'est pas marqué CDI. Oui. Au pire, on retourne et on va demander. Au pire, on va chercher. Non, oui, on cherche là-bas. Alors, vous savez qui il est ? Ouais, son meilleur ami. Donc là, il vient de vous dire quand même qu'il vient de se faire blesser par Hugo, parce que suite à ce qu'a fait Hugo, c'est-à-dire de mettre la tête dans les toilettes, d'insulter en permanence, c'est tout ça, le harcèlement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a appelé, il l'a insulté. Donc Hugo est venu en scooter, et il l'a blessé. Il veut déposer plainte. On a visité une station d'agunage. C'est une station d'épuration qui fait aussi bassin de protection pour les oiseaux. Voilà, j'ai pu découvrir un métier, mais aussi une association avec la LPO. Elles se font avaler, du moins en partie, hein, par les oiseaux. Les oiseaux qui sont munis d'un bec qui leur permet de filtrer l'eau. Ça a été essentiellement les canards. On a vu une autre association qui s'occupait surtout du développement durable sur l'île d'Oléron. Et c'est ces associations que j'aurais sûrement pas vues en cours. Allez, vous laissez faire. Vous êtes les deux gendarmes. Vous laissez faire. Le cycliste, je sais pas trop, vient d'arriver et il a mal à la jambe. En gros, je me suis arrêté au feu rouge et lui, il m'a percuté. Dans l'immédiat, les deux gendarmes, c'est bien, ils viennent d'arriver, mais est-ce que les gendarmes, eux, ils vont pouvoir lui réparer sa jambe ? Et pour l'instant, j'ai ni l'hélicoptère, ni le camion des pompiers, ni un sous-marin, il n'y a rien qui arrive. J'avais des craintes que ce soit un peu trop militaire, comme ce que fait ma sœur, parce que j'ai une sœur qui est militaire, et en voyant ce qu'elle faisait, je me suis dit, j'espère que ça ne va pas être pareil, parce que ça va être un peu compliqué aussi, non ? Les jeunes découvrent à travers ce stage de cohésion aussi la vie en collectivité, découvrent des métiers, découvrent des activités diverses et variées. Souvent, c'est l'occasion aussi de sortir de leur environnement social et donc, du coup de vivre une vraie expérience à l'instar de sportifs ou de militaires ou de troupes de théâtre. Un bénéfice important pour un jeune qui participe au SNU, pour moi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un ingrédient majeur dans la réussite personnelle et professionnelle. Et on sait que nos jeunes sont parfois, et en particulier après les deux années qu'ils viennent de vivre, parfois un peu fragiles de ce point de vue-là. Et c'est très nettement quelque chose qui peut s'acquérir dans le cadre du séjour de cohésion. Un deuxième bénéfice, c'est celui de réfléchir à de nouvelles opportunités par rapport à des perspectives d'insertion professionnelle, de nouveaux métiers, des idées de métiers, ou de fait de conforter une vocation qui est naissante. Et puis un troisième objectif, une troisième chose que l'on apprend, eh bien, je pense que c'est d'ailleurs essentiel, on apprend
à vivre les valeurs de la République et on apprend à quel point elles sont importantes, à quel point c'est à la fois un devoir et un droit, mais c'est aussi une chance, ces valeurs de la République française. Sur Internet comme dans la rue, l'équilibre entre liberté et sécurité est toujours en débat. Désormais, les grandes plateformes permettent de signaler les contenus illicites. Vous avez quelqu'un qui vous parle via Facebook. C'est marqué que c'est votre ami, hein, une personne que vous connaissez. Vous discutez avec, ouais, pas de souci, machin. Et on vous demande de faire des choses que vous allez faire parce que vous pensez que c'est votre ami. Mais non, c'est son compte qui a été piraté et qui va vous demander de faire des choses. Les deux compagnies, on s'entend très très bien. On joue ensemble, on discute. On est même parfois tous, peut-être pas tous dans une chambre, mais la compagnie est rouge, on y est, tous les gars y sont, y a même des bleus qui viennent. C'est vraiment sympathique, on s'entraide tous. On vit au jour le jour maintenant, on se laisse porter par la vague. Cube bleu de la case réserve, puis le placer dans la case disponible. Action de prendre deux cubes bleus et les déployer dans un ou deux zones. Donc là, il y a deux actions qui sont possibles. L'action 1. Grosso modo, les personnels ont fini de s'entraîner ou sont sortis de permission et sont disponibles pour pouvoir être déployés partout dans le monde. Ou alors l'action 2, c'est de prendre deux pions bleus et de les déplacer. Vous pouvez le jouer quand vous voulez. C'est retirer un cube noir d'une zone. Oui, mais du coup, on jouera ça le tour d'après. Mais au pire, continuez le tour et à la fin du tour, on voit si on l'a mis ou pas. Oui, voilà. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite démonstration. Donc moi, j'ai une chienne, une femelle qui a 3 ans et demi. Elle est en recherche, donc sa technicité, c'est 100 billes, stupéfiants, armes, munitions et billets. Donc là, derrière, on a disposé quelques sacs avec le collègue. Il y a deux sacs qui sont chargés, c'est-à-dire qui ont du produit. Donc le produit qu'on a mis accessoirement, là, c'est du billet. Donc vous allez voir comment le chien travaille. Voilà, très très bien. John. Voilà. Au niveau des couleurs, c'est le bleu de faire la gauche. Non, la droite. Alors, le bleu est toujours du côté du col. Il faut savoir, le maire, ça se reconnaît comme ça. Ensuite, j'ai besoin d'un député. Alors, Théo. Donc, pareil, la couleur, selon alors, vous. La couleur, à votre avis. C'est le bleu vers le col ici. Non, c'est le rouge côté du col. Voilà. Tout à fait. Hop. La cérémonie commémorative à laquelle vous allez participer se déroulera comme suit. L'accueil des autorités, la lecture de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, la remise des décorations, le discours de Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, lu par Monsieur le Préfet, le dépôt des gerbes, la sonnerie aux morts, ainsi que la minute de silence et l'hymne national. Et pour finir, on fera le remerciement des participants. Alors, on est avec des jeunes volontaires. Déjà, ils ont une envie de sortir de leur zone de confort familiale, de cet environnement qui est plutôt de le monde de l'enfant, de l'adolescent, et de se projeter vers un monde plus adulte, et en tout cas, où eux aspirent à des responsabilités. Et souvent, après, en tout cas, c'est ce qu'on a pu constater l'année dernière, des jeunes qui, après, étaient transformés, et souvent, ça transforme aussi la relation dans la famille, et évidemment, quelquefois, ça peut être aussi dur des parents de voir leur enfant, quelque part, s'envoler à travers cette expérience. Alors, l'objet mystère. Ça fait partie des œufs. Mais des œufs de quoi? Pas de sèche ou de calamar. Alors, on est dans les poissons. Un poisson qui fait ça? D'un certain poisson, oui. Le bar. Un peu particulier. Le bar. Non, les dauphins, c'est pas des poissons. Ah, on se rapproche là. Le bar? Non. Voilà. C'est un œuf de. C'est une capsule de l'œuf d'une raie. Une raie brunette même. Une des espèces de raie.
J'ai rencontré aujourd'hui des jeunes qui donc viennent de clôturer ce séjour de cohésion à Rochefort et on sent chez eux d'abord un peu de fatigue quand même parce que 12 jours, eh bien c'est, ça a été intense, ça a été physique, mais une bonne fatigue, une fatigue dans laquelle on sent une expérience vécue, on sent des jeunes qui ont grandi, qui ont pris confiance en eux. Bon, ça m'a permis d'évoluer surtout dans le bon sens, autonomie. Bah, comme Laurent qui était ex-militaire ou Christine, bah, il nous encadre et donc ça nous fait la discipline et c'est très très bien. Je pense que oui, ça m'a fait évoluer au niveau, par exemple, au niveau comment parler avec les gens, comment bien apprendre avec eux. Il y a un vrai lien qui se crée. Le SNU m'a permis d'évoluer sur la sociabilité. Le fait que ce soit beaucoup de jeunes qui viennent de plein de milieux différents m'a appris à découvrir l'autre et à apprendre un peu de tous et à former une équipe, même si on est tous différents. Et les jeunes, évidemment, sentent bien qu'ils ont créé presque une deuxième famille. En tout cas, souvent, ça fédère quelque chose qui va se transmettre ensuite dans leurs relations futures, puisque les réseaux sociaux, puisque les liens sont là. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui naît au fur et à mesure du séjour.